Lettre d'habitants de la Belle de Mai en hommage à Souhey. Depuis le quartier de la Belle de Mai, 3e arrondissement de Marseille, à la famille et aux proches du disparu, aux habitants du quartier, aux collectifs et associations sur Marseille et en France, à l'adresse des médias. Ce mercredi 4 août 2021, en fin d'après-midi, Souhey est mort des suites de tirs de la police. C'est le cœur rempli de tristesse et de colère que nous écrivons ces mots. Un jeune homme de 21 ans, père d'un enfant, a été tué. Un homme est mort et nous adressons toutes nos pensées de soutien à sa famille et à ses proches. Qu'il repose en paix. La scène du drame a eu lieu sous nos yeux, à quelques mètres de nos maisons. Nous ne resterons pas insensibles ni inactifs. En tant qu'habitantes du quartier, nous allons nous recueillir et rendre hommage ce vendredi 6 août 2021 à 18h, place Cadena. Cette lettre s'adresse en premier lieu à la famille et aux proches de la victime. Veuillez recevoir toutes nos condoléances et tout notre soutien. Nous nous tenons prêtes à être à vos côtés, à prendre le temps de l'écoute, à accueillir la douleur de la perte d'un être cher. Si besoin, des collectes peuvent être organisées afin de réunir les fonds nécessaires à des obsèques en toute dignité. Vous n'êtes pas seul. Et nous espérons pouvoir être un appui dans ce moment empli de douleur. Nous regrettons qu'aucun soutien psychologique conséquent n'ait été proposé par les autorités compétentes. Nous souhaitons savoir ce qu'il s'est réellement passé rue Fortuné-Jourdan ce 4 août 2021. Ceci nous semble indigne, car la parole des principaux témoins doit être entendue et relayée. Nous savons quand la matière de temps, le temps presse. Pour plus d'informations ou apporter vos témoignages, contacte 04août@riseup.net. Pour la dignité de nos quartiers et de nos vies. Signataire, le collectif des habitants organisé du 3e arrondissement, d'autres habitants, habitantes du quartier et des personnes solidaires.